et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les produits terminés. Donc pour l'instant, j'ai mis mes produits terminés dans un sac que j'ai eu en cadeau, enfin que mon amie m'a donné. Elle l'a eu en cadeau quand elle a acheté une cagette de pommes Pink Lady. Du coup, il y avait un petit sac comme ceci. Du coup, je l'ai pris. Voilà, pour mettre mes produits terminés. L'autre, il était abîmé de partout, taché de partout. Donc, du coup, il a été à la poubelle. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, il n'y a pas grand chose parce qu'il y en avait beaucoup la semaine dernière quand j'ai fait la vidéo parce que, du coup, on avait fait des travaux dans la salle de bain. Il y avait eu, du tri au niveau des produits, donc voilà. On commence par une soupline, la soupline bleue Grand Air, 56 lavages, très très bien, j'adore, ça sent le frais, ça sent le propre, ça sent extrêmement bon. Ensuite, du papier toilette de la marque Carrefour, donc là c'est du classique confort, j'achète quand je vous dis, quand il y a des promos, etc. Alors, une litière de la marque Carrefour. Et oui, une litière. Donc, comme vous le savez, le 5 décembre, j'ai perdu mon chat. Voilà. Mon mari en a repris un autre. Donc, je n'étais pas forcément d'accord au départ. J'avais besoin de faire mon deuil. Et c'était très, très difficile d'avoir perdu mon compagnon. Voilà, tout simplement. Et il avait beaucoup de mal, voilà, il lui manquait une présence, etc. à la maison, il avait beaucoup de mal. Et il en a vu un à la SPA qui avait un an et du coup, on l'a eu le 24 décembre. Donc, il s'appelle Bagheera, je vous mettrai une petite photo au coin ici. C'est un chat qui est gris, cette fois-ci, et pas roux. Il est très affectueux, il est encore un petit peu joueur bien évidemment, il me faut un petit peu du temps pour pouvoir l'accepter dans la maison, mais du coup voilà, il est arrivé chez nous le 24 décembre, donc du coup j'ai été obligée de racheter de la litière tout simplement. Donc, il est propre, etc. Il a été stérilisé, il a été vacciné, on l'a eu à la SPA. Et du coup, au niveau des croquettes, c'est pareil. Il mangeait un peu de tout et de rien à la SPA. Bah, il lui donne ce qu'il reçoit, tout simplement. Donc là, moi, j'ai décidé de lui prendre les croquettes Carrefour. Celles-ci, c'est les experts adultes au poulet. Voilà, il les adore. Donc, ça coûte 8 euros les 3 kilos. Donc, c'est très bien. Des tablettes lave-vaisselle finish comme ceci au citron. Ça sent pas forcément le citron, mais bon, voilà, ça lave la vaisselle. C'est tout ce qu'on demande. J'ai utilisé un bloc WC comme ceci de la marque Carrefour Expert. C'est à la Javel. Ils sont vraiment très très bien. Voilà. Donc j'avais repris la dernière fois à Carrefour parce que il n'y avait plus rien. J'avais pas été chez Action du moins. J'ai fait un masque comme ceci de la marque The. Non, c'est. Attendez. The Body Shop. Oui, The Body Shop que j'avais eu chez Stokomani. J'ai beaucoup aimé, franchement, c'est vegan, c'est au concombre, ça laisse un effet frais au niveau des yeux, c'est vraiment très agréable, donc c'est un masque comme ceci, juste au niveau des yeux, comme ça, j'ai adoré, franchement, l'odeur était vraiment tip top. Je jette un emballage d'une eau de toilette que j'ai découvert chez Yves Rocher et que j'adore. C'est la My Shiny Vanilla en 100 ml. Franchement, c'est une tuerie cette eau de toilette. J'ai vraiment eu un coup de cœur. Donc, c'est une édition limitée. Donc, forcément, on ne la retrouvera pas. Franchement, j'ai adoré. J'ai adoré également le gommage en huile qui est juste extraordinaire. J'ai terminé du thé froid de la marque Daman que j'avais eu en vacances cet été. Donc là, c'est passion framboise. Depuis mardi, j'ai repris un petit peu la diète, etc. Donc, je me fais infuser un litre pour la journée au boulot. Et du coup, c'est super pratique. Nous avons terminé un signal. Donc, celui-ci, c'est le White System. Donc, très bien. Rien à dire.
J'ai terminé un spray désodorisant que j'avais eu en Espagne cet été. C'est Fresh Cologne de la marque Aura. Donc cette marque-là, on la retrouve également dans les centres Leclerc. Et franchement, elle est au même prix qu'en Espagne. Donc voilà, je pensais que c'était un petit peu moins cher. Là, c'est 2,90€. Ça sent le linge propre. Voilà. Et pour finir, les bougies que j'ai mis de côté. Donc, c'est vraiment un petit produit terminé. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Mais du coup, je vais me débarrasser de tout ça. J'ai terminé une votive Mary Berry. Donc, j'adore. C'est Harmonie de fruits rouges. C'est une de mes préférées également. J'ai terminé... alors là, je ne sais pas ce qu'elle m'a fait, la bougie. Mais je pense qu'il était temps qu'elle se termine. Le plastique autour a fondu. Une bougie de la marque Mistral. Oups. D'essence, celle-ci c'est nougatine fumée, je l'avais eu à Noël, franchement j'ai adoré, adoré, une odeur de nougatine, de gâteau sucré, trop trop bien. Et j'ai fini celle-ci, c'est de la marque Devino et c'était vanille crème, j'ai adoré également, une odeur très sucrée, une odeur de gâteau etc, c'était vraiment très très agréable. Voilà, voilà pour ces produits terminés. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à liker, à commenter, etc. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!